Good morning, allez, Yiden, les tutos aujourd'hui, les Nishmat, Mourir Bishmal, Ben Shalom, Zalman, ici, Madame, Doa, Sarabat, Ran, Rachel, Shalom, Ben Esther, Richabad, Rim, Nechemia, ainsi que leur fat, Avram, Mourir, Ben Reout, Petor, Shah, Cholé, Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechet, Zvachim, Rekud, Gimel, Mishnah, Hey! Hamakriv, Kodashim, Ve Emure, Hen, Bachutz, Chayav. Mincha, Shelonik, Matza, Ve Ikriva, Bachutz, Pato. Kmatza, Chazar, Ve Chazar, Kumza, Le Tocha, Ve Ikriva, Bachutz, Chayav. Mishnah très simple, Bezrat Hashem, un petit sujet développé dedans, à savoir, on est toujours bien sûr sur l'interdit de Ma'ale Bachutz, l'interdit de faire brûler des korbanot à l'extérieur du Bet Hamikdash sur un autel, ou sur une pierre, comme c'était appris dans les Mishnah précédentes, en tout cas sur un autel, faire brûler en l'honneur d'Hashem, lui faire un misbeach à l'extérieur du Bet Hamikdash. Il y a un interdit très grave sur lequel on est passible de chiyuv, d'un chiyuv karet. C'est l'interdit de ce qu'on appelle Ma'ale Bachutz. C'est qu'on fait monter en holocauste à l'extérieur du Beth Amikdash. La Torah l'a précisé que spécifiquement ce qui devait être offert à Hachem, il y a un interdit de le faire en tant que korban à l'extérieur du Beth Amikdash. À exclure quelque chose qui ne devait pas être offert à Hachem. Soit, par exemple, la Ola. Elle monte entièrement sur le Mizbeach, oui. Lorsqu'on fait la particularité du korban de la Ola, c'est que toute la bête, entièrement, toutes ses graisses et toutes ses parts de viande, montent toutes sur l'autel, sur le Mizbeach, pour être brûlées. De ce fait, celui qui va faire même brûler un pied de Ola à l'extérieur du Beth Amikdash, il va transgresser l'interdit de Ma'ale Bachutz, il sera passible d'un Chiyuv Karet et Beshogeg, un Khatat. Par contre, un Khatat, un Sham, un Shlamim, Bechor, Maaser, Pesach, tous les autres korbanot, alors sur le Mizbeach, on ne donne que les Emurim, les graisses. Ouais, ça s'appelle Emurim, bon, on ne veut pas ranger dessus. Les Emurim, les graisses, il y a trois sortes de graisses, Amchased la Kerev, Vet Aklayot, Vet Yoter Takaved. Il y a donc finalement, ces graisses-là, c'est celles qui doivent être offertes au Mizbeach. Il y a un interdit de prendre ces graisses, de les faire monter à l'extérieur du Beth Amikdash. Sur un hôtel à l'extérieur du Beth Amikdash. À exclure celui qui va vouloir, quand il va ensuite, par exemple, on va prendre un cas de Shlamim, une fois qu'on a donné les graisses, qu'on a donné les parts qui reviennent au Kohanim, il y a aussi des parts qui reviennent au propriétaire, qui peuvent manger dans tout Yerushalayim. Imaginez que le soir, le gars, il est arrivé avec son korban Shlamim, il invite sa famille, et puis il veut montrer aux enfants comment est-ce qu'on a fait un korban, il construit un hôtel, et il va se mettre à faire brûler. Et bien, il n'aura pas transgressé l'interdit de Ma'ale Bachutz. Pourquoi ? Parce que les parts de viande qu'il va faire brûler, ce ne sont pas des parts qui revenaient au Mizbeach. Le principe est clair pour le moment. Alors maintenant, on est armé pour pouvoir entrer dans la Mishnah. Le sujet de la Mishnah va être de quoi ? On traduit directement. Makriv Kodashim Ve'emuren Bachutz. Celui qui va brûler, qui va offrir, d'accord, Makriv, qui va offrir, donc brûler sur l'autel en dehors du Beth Amikdash, des Kodashim, des Korbanot, Ve'emuren, mais qui ont en même temps les Emurim, les graisses, Bachutz, à l'extérieur du Beth Amikdash, Chayav, il sera quand même passible, il aura transgressé l'interdit. Soit, d'abord on va re-rentrer dans le Beth Amikdash et dire quelque chose d'important, c'est que, prenez par exemple un Khatat, il faut prendre, retirer les graisses, les faire brûler sur le Mizbeach, et le reste du Korban, il doit être ensuite, il doit être consommé par les Kohanim. Eh bien, on apprend ça de Psukim, qu'il faut nécessairement que les graisses soient posées directement sur le feu. Ouais. Et non, imaginez quelqu'un, un Kohen, ça va lui prendre, de vouloir prendre la bête entièrement, de la jeter entièrement au feu. Eh bien, il n'aura pas accompli la mitzvah de brûler les graisses, parce que les graisses, elles devaient être en contact direct avec le feu. D'accord ? C'est déduit à la Etzi, ma chère à la Yesh. Il y a un pasouk qui faut mettre le korban à la Etzi, ma chère à la Yesh. Il y a une insistance de le mettre sur les bois qui sont sur le feu. Et pas avec un écran, en fait, qui le reste de l'animal. Eh bien, malgré tout, la Mishnah vient le m'enseigne. Ben, sache que si toutefois tu as pris l'animal intégralement et tu l'as brûlé à l'extérieur du Beth Amikdash, on transgressera quand même l'interdit de Ma'ale Bachutz. Pourquoi ? Parce que malgré tout, les membres que tu ne devais pas faire brûler sur le feu sont quand même en contact avec le feu, selon la règle que Min Bemino Eno Chotzetz. Ouais, c'est une règle qu'on retrouve très fréquemment dans le chasse, dans plein de sujets, dans la Tvila d'une femme, Nida, dans plein de sujets. Min Bemino Eno Chotzetz. Une même espèce ne fait pas de Chatzitza. Entre parenthèses, le loulav par exemple, ouais. Si jamais, imaginez, vous enveloppez votre loulav avec
avec un drap, un tissu, vous l'attrapez, vous n'accomplissez pas la mitzvah de prendre le loulav. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui fait écran entre le loulav et vous. Pourtant, il y en a plein qui vont utiliser, tout le monde peut utiliser le fameux kochikler, la tresse, la petite natte là, dans laquelle on met dans le loulav, on met le loulav avec le hadas, la rava, surtout les ashkenazim, parce que c'est ils font différemment dans leur manière de disposer le hadas et la rava. Enfin bref, en tout cas, celui qui va prendre le kochikler, le loulav avec le kochikler, avec cette petite natte de paille, qui est composée justement en feuilles de palmier, il ne fait pas écran. Pourquoi ? Min bemino et no chotzetz. Le loulav, c'est fait avec des palmes du palmier, donc ce n'est pas chotzetz, ça ne fait pas écran. C'est une règle. La même espèce ne fait jamais écran entre deux espèces. Si je dois attraper, d'accord ? Si je dois attraper du loulav, eh ben je peux mettre du loulav dans ma main pour attraper le loulav, et ça va, je m'acquitte de mon devoir. Selon le même principe aussi, c'est vrai que les graisses, elles sont dans le ventre, et que lorsque tu mets l'animal intégralement sur le feu, eh ben tu fais brûler le ventre. Et puis, après, les graisses, elles brûlent par derrière. Mais malgré tout, on dit que tout ça, c'est une espèce d'animal. Donc, ça ne fait pas écran. Ça s'appelle que les graisses, elles sont directement en contact sur le feu. Donc, on est passé d'un riou corban. C'était clair ? Ok. On continue maintenant avec la mincha. Ça va devenir un brin plus compliqué sur un petit détail. On traduit, on explique. Mincha shelo nikmetsa veikriva bachutz. Une mincha de laquelle on n'a pas prélevé l'échantillon. Mais, telle quelle, on l'a jetée entièrement au feu à l'essor du Beit HaMikdash. Cette fois-ci, la Mishnah enseigne qu'on est pas tour. On sera dispensé, on n'aura pas transgressé l'interdit. Par contre, Kmatza vechazar kumtza letocha, si toutefois il est à l'extérieur du Beit HaMikdash, il a prélevé l'échantillon. Ouais, vous vous rappelez la Kmitza, il doit prendre une pincée avec les trois doigts, et comme ça il prélève l'échantillon, et il faut donner cet échantillon sur le Mizbeach. À l'intérieur du Beit HaMikdash, ou à l'extérieur du Beit HaMikdash pour transgresser l'interdit. Ce qui s'est passé, c'est que lui, il a prélevé l'échantillon, et au lieu de le jeter au feu, il a rejeté dans la mincha. Il a même mélangé un petit peu le tout, et il a pris toute la mincha telle quelle, l'oblation, il l'a jetée intégralement dans le feu. La méchantillon en scène cette fois-ci. Donc, Kmatza ve Chazar Kumtza Letocha, s'il a pris l'échantillon, il a prélevé l'échantillon. Et après, Chazar Kumtza, cet échantillon, il est revenu Letocha en elle, ve Ikriva Abachutz, et ensuite il a tout fait monter sur le Mizbéar, à l'extérieur du Beit HaMikdash, là il sera Chayav. Alors, on va expliquer un petit peu, c'est très simple. Si vous avez retenu le principe du début de la Mishnah, on a le même principe qui se retrouve à la fin, et au milieu, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Donc on va d'abord commencer par expliquer à la fin. Vous vous rappelez comment on a dit tout à l'heure ? On a dit que j'ai l'interdit de brûler les graisses à l'extérieur du Beit HaMikdash. Si, toutefois, je vais brûler l'animal intégralement, et bien ça s'appelle que je brûle les graisses parce que la viande ne fait pas écran. Selon le même principe, lorsqu'il y a une mincha avec le kometz qui est tombé dedans, qui s'est mélangé, lorsque je prends toute la mincha et je vais la brûler, sur le misbéach que j'ai fait à l'extérieur, ça s'appelle que je suis quand même en train de faire brûler le kometz. De ce fait, je suis passible de l'interdit, de ma aller par koutz. Ouais, c'est ce qui est écrit. Mais, particularité dans le cas où on n'a pas encore prélevé l'échantillon. Et alors là, on revient de nouveau à l'intérieur du Beit HaMikdash pour expliquer ce qui se passe. La avoda de la mincha, lorsque j'ai une mincha, la gmal compare, d'abord j'explique le procédé. On a évoqué dans la Mishnah précédente qu'il y a des menachot particulières, on les prend telles quelles, on les jette entièrement dans le feu. Ça c'est pour certaines menachot qui sont minchat nesachim, minchat kohen mashiach et minchat kohanim. Comme on a appris dans la Mishnah précédente, on ne revient pas dessus. Mais le commun des menachot, des oblations que l'on va offrir de blé, alors il y a un rituel spécial, on apporte, on met le blé, la farine, selon le cas on la mélange avec de l'eau, avec de l'huile, toutes sortes, parfois même il faut la faire cuire avant, et on la met ensuite dans un ustensile, et on doit ensuite, le Kohen doit prendre ça, monter sur le Mizbeach, il monte pas sur le Mizbeach, il le fait en bas d'abord, il prend une pincée, la pincée c'est ce qu'on appelle le Kometz, il la met dans un ustensile, il monte sur le Mizbeach, il va la brûler là-haut, d'accord ? Dans plein de halachot, la Gemara compare le fait de prélever le Kometz en parallèle avec la Shrita, égorger l'animal, c'est le même principe. C'est par là qu'on va rendre que là, si vous voulez, le principe c'est le prendre quelque chose, prélever un échantillon en l'honneur d'Hachem, et suite à ça, tout le reste il va être consommé par les Kohanim ou par les Israël selon le cas. Comme pour un korban, on va égorger et on va récupérer le sang et aller le jeter, aller l'asperger sur le misbéach, selon le même principe. Quand on va prendre une mincha, il faut prélever l'échantillon en l'honneur d'Hachem et ensuite on consomme le reste. Ça, c'est dans une mincha classique. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, au lieu de faire ma mincha,
Le Kohen, lui, il est parti, il l'a jeté entièrement au feu. Il s'est trompé, il a pensé que c'était une autre mincha. Est-ce que je me suis acquitté de ma mincha? Je ne me suis pas acquitté de ma mincha. Parce qu'il ne l'a pas prélevé. C'est un peu comme si je lui apportais un khatat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris entièrement le khatat vivant et il l'a jeté dans le feu. Tu t'es pas. C'est quoi? C'est pas comme ça qu'on fait un korban. Selon le même principe, tu dois aussi prélever l'échantillon et partir le jeter au feu. Si tu n'as pas prélevé l'échantillon, ça s'appelle que tu as contourné la mitzvah essentielle de la mincha. Donc ta mincha n'était bichlal, pas une mincha. Alors maintenant, de ce fait, vous allez comprendre tout de suite qu'est-ce qui se passe. Lorsque je suis à l'extérieur du Beit HaMikdash et que je veux faire une mincha, donc j'avais une mincha, une oblation de blé que quelqu'un il a voulu le faire à l'extérieur du Beit HaMikdash. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la mincha entièrement et l'a jeté entièrement au feu. Eh bien, il ne transgressera pas l'interdit, étant donné qu'il n'a pas encore prélevé. Donc, ce n'était pas encore une mincha, elle n'était pas apte à devenir une mincha. Une fois, par contre, qu'il a prélevé l'échantillon, donc par là, il a quelque part, c'est comme s'il avait fait la shrita de l'animal en parallèle, si je regardais ce parallèle. Il a prélevé. Et ensuite, il a remélangé dans le tout et il a jeté le tout au feu. Alors là, on revient au même principe du début de la Mishnah, que cette fois-ci, ton échantillon, tu l'as prélevé et tu l'as brûlé. Aucune raison qu'il ne soit pas passible du Chiyuv Karet de Maale Bachutz. J'espère que c'était assez clair. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.